Bienvenue dans la région du Kasaï, le cœur battant du Congo. Aucun coin ne symbolise mieux le Congo que la région du Kasaï. Situé en plein cœur du pays, le Grand Kasaï porte en lui à la fois les marques des décennies de chutes vertigineuses et celles d'une gloire passée. D'une histoire aussi majestueuse que tragique, de ses luttes nobles, ses triomphes et ses moments difficiles, la région fait preuve d'une résilience à l'image même du Congo. Pour le peu que je sais, la plupart des Kasaïens étaient ailleurs, à Kananga, à Luebo. Et suite aux problèmes qu'ils ont eu là-bas, ils ont dû venir habiter cette zone minière. Ce qui fait que quand vous voyez la ville, vous voyez que le plan d'aménagement n'est pas bien fait. Donc les gens se sont débrouillés, ils ont construit eux-mêmes leur ville du mieux qu'ils ont pu. C'est la petite histoire que je sais, mais la grande histoire que j'ai, c'est celle, mon histoire avec la ville de Mbujimayi, parce que moi je suis né à Lubumbashi et je débarque en Mbujimayi en 92 lors du refoulement, renvoyé du grand séminaire, je me retrouve en Mbujimayi et je viens de Lubumbashi où j'ai grandi. Alors je suis dépaysé, je ne vois rien. À l'entrée de la ville, je suis frappé par les petites maisons que je vois. J'arrive dans la ville. Et il n'y a pas de courant, je vais au grand séminaire, il n'y a pas de courant. Je regarde les tables du grand séminaire, je les compare avec les tables du grand séminaire de Lubumbashi. Je n'en reviens pas. Rien de grand n'avait été fait pour cette ville. L'espace Grand Kasaï, c'est un espace qui a produit beaucoup d'intellectuels. Le professeur, parmi lesquels nous avons les prêtres, nous avons les avocats, nous avons les magistrats. Disons que c'est un peuple qui s'apparente au peuple juif. Il y a beaucoup plus de potentialités. Alors je crois moi savoir que c'est sur base de toutes ces potentialités-là que, disons, les compétences innées du peuple Moulouba lui ont attiré vraiment une certaine antipathie au regard de certains régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Alors, pourquoi on appelle ça Grand Kasaï? C'est justement parce que c'est l'espace dans lequel est parlée l'une de langues nationales qui est la langue Tshiluba. À l'image du Congo, la terre de Moulopwe Kalonji, celle de Patrice Emery Lumumba, ou encore des débuts militaires du maréchal Mobutu, n'a certes pas échappé à l'abandon depuis des décennies. Disons qu'un peuple qui a été mis aux oubliettes, au rancard, hein, dont on ne s'est soucié pas par certains régimes. Pourquoi? Parce que moi j'estime que le malheur de ces peuples est venu du courage, de l'intrépidité vraiment de ses leaders qu'il a connus aussi, en commençant par Moulopwe, les Lumumba, Nabandangila et Etienne Tshisekedi. Le sphinx de l'Imété, comme on le surnomme, boycotte la présidentielle de 2006, les premières élections libres de son pays, qui consacre Joseph Kabila comme président de la RDC. Etienne Tshisekedi a 83 ans. Il vient de passer près de 2 ans en Belgique pour se soigner. Il n'a plus la fougue de ses jeunes années, mais cet accueil spectaculaire prouve qu'il reste aux yeux des Kinois l'opposant ultime en RDC. On l'avait surnommé Monsieur Non. S'il lui dit non, il n'intergiverse pas. Un intransigeant. Alors on a estimé que cela rentre dans l'ADN de tout Kasaïen.
Ici comme partout, les moins de 20 ans n'ont plus vu l'État central à l'œuvre, ni école, ni centre de santé, dans ces villages bien souvent vidés, victimes d'un exode rural qui va même créer des stigmatisations à Kinshasa et un peu partout dans les grandes villes congolaises. Je suis même un chauffeur de taxi-moto. Je suis un taxi-moto depuis 2011. Je suis un taxi-moto. Je l'ai en soif, mais son souk, comme je suis un docteur. L'autre tundundu il faut, tu bois le mobinina, bitochi, couvons, je l'ai mis quoi, tu fais tout le monde, tu bagages en volato.